Et bonjour à tous, ici Minuximus. Est-ce que toi aussi tu en as marre d'avoir le pion gros comme ça à cause de Relana et tu veux pouvoir aller plus vite de l'autre côté de son château? Eh bien je vais te montrer une petite route pour ça, mon zobi. Nous allons commencer à aller directement Castlefront. À partir au-delà, vous tout simplement on va prendre notre fidèle destrier Torrent et on va y aller. On va aller faire une petite balade. Donc après être allé là, vous allez tourner ensuite sur la gauche. Vous allez continuer, éviter bien sûr les ennemis, hein, tranquillou. Vous allez descendre sur la droite légèrement au milieu d'un champ où tout le monde va se battre. Si cette vidéo t'aide, n'hésite pas à me lâcher un petit comment. Tu peux aussi venir me voir sur la chaîne Twitch Minuximus où on fait plein de choses. Un petit like, ce serait vraiment génial, surtout que cette route, je sais, va aider pas mal de francophones à pouvoir notamment tester des challenge run. Eh bien, nous allons nous diriger dans la direction d'approximativement la cabane. Attention au petit vide que vous pouvez avoir. Je vous conseille de ne pas rester trop près du bord. Vous n'allez avoir aucun ennemi en particulier ici. C'est une route en plus hyper safe, vous pourriez la faire dès le début du DLC sans problème. Vous pourriez même la faire en RL1 ici. Vous allez trouver un sceau spirituel. Le sceau spirituel, en théorie, il n'est absolument pas activé. Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller tout au bout de la map. Et non, je déconne, c'est juste au-dessus en fait. Vous allez voir où est la petite, le petit tas de pierres à casser, il est juste ici. Reprenez Torrent. Et c'est parti. Nous allons faire une série de deux sceaux spirituels. Et donc de là, vous allez arriver dans le château de Fort of Reprimand en Altus Occulte. Ici, attention. On verra là comment le faire tranquillement. Hop là, c'est parti. Là, il comprend pas trop. Il a mis un coup dans son dos. Hop, vous partez en run. Par ici, par là. On va par là. On va se laisser tomber ici. Hop. Il fait qu'il y a l'autre main cleaver qui est là. Voilà, il va se retourner. Et n'oubliez pas de liker et de commenter. Vous me demandez si vous voulez d'autres vidéos sur l'ensemble du DLC d'Elden Ring. Pensez à mettre de la glace sur les plaies béantes.